Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous n'avez pas eu trop de dégâts avec la tempête. Moi j'avoue que quand je me suis levée, pour mon téléphone, j'avais 87% de batterie alors que moi je le mets la nuit à chercher. Et je me suis levée et puis je courant. Je suis oh merde. Savoir que j'ai des boules électriques. Que là-dessus, je ne ferme pas complètement tous les volets. Au moins, celle de derrière, je laisse ça ouvert. Comme ça, coupeur, je peux le mettre dehors. Mais là, ça ne fait pas. Du coup, j'ai dit, je vais le mettre devant avec une grande laisse. J'ai les deux poubelles qui sont devant la porte. Je ne peux même pas sortir. Et elles sont super longues. Donc, pour un temps, elles restent là. Et à 9h20, c'est revenu Internet à 9h30. Alors, ce qui est bizarre. J'ai internet, mais j'ai pas de téléphone. J'ai pas compris. On peut pas avoir internet si on n'a pas la ligne normalement. Et moi, j'ai mis aucun service pour comprendre quelque chose. Donc, j'ai mis Cooper dehors quand ça s'est ouvert. Première chose, j'ai ouvert tous les volets. Même là, je ferme jamais. Mais là, ça souffre encore. Donc, j'ai mon échelle. Où elle est, l'échelle de jardin disparue. Après, j'ai pas été voir partout autour de la maison. Ça caille, il y a trop de vent. Ça, c'est calme. Et Cooper, ma boîte aux lettres, elle est hop comme ça. Et Cooper, il est allé faire ses besoins, mais il est pas arrêté 2 secondes dehors. Donc, pour un temps, ça va. Il n'y a pas eu de dégâts. À part. La voiture est toujours là. Mais bon, alors on se retrouve, petit aparté, pour la vidéo que j'aurais dû faire il y a un moment. Mais je voulais attendre d'avoir son adresse avant de vous montrer. Donc, hop, je cache l'adresse. Regardez l'enveloppe. Trop belle. Donc c'est la participation pour les attestants d'Halloween de Joyce. Donc Joyce qui est une nouvelle abonnée. Alors. Voilà. Alors, ce qui est bien, c'est qu'elle m'a mis tout dans des pochettes, comme ça. Tout est protégé. Donc, ça doit être des pochettes. Qu'est-ce que c'est, tiens? Pochette comme ça. Qui est là, coupée. Hop. Voilà, ça doit être. On aurait dit une pochette de classeur, mais il n'y a pas les trous. Je sais pas. Alors, je vous montre. J'ai la carte. Ah, j'ai froid. Il n'y a pas eu de chauffage pendant 5 heures cette nuit. Tant que ça réchauffe maintenant. Alors, elle a appelé ça Joyce Forest. Elle a même décoré la carte, l'enveloppe. Donc, en orange, elle a mis des cheveux de tissu, un tamponnage, une citrouille, une petite étiquette. Et derrière, hop, elle a son tampon. Joyce. Alors, elle a fait sur le thème de l'automne. Normalement, c'était Halloween. Mais ce que je vous montre là, c'est en plus. Je vous montrerai les attestants après. Oui, c'est celui-là. Alors, pour sa carte, elle a fait automne au cœur de la nature. Trop belle. Qu'elle a fait sur. Comme la carte sur une base orange, elle a maté avec un papier feuille. Elle a fait des tamponnages qu'elle a colorisés. On a le petit écureuil. Après, elle a maté avec un papier pois. Je ne sais pas si vous allez voir. Elle a fait des ziboubis dans les quatre coins.
là, on a une étiquette et elle a fait pour cacher le bord de la dentelle. Ça, c'est une super idée, franchement. À retenir. Bien sûr, hein, j'avais déjà l'humour, un roman qu'elle m'avait fait. Ouais, elle a fait des cartes timbres que je pourrais découper. Merci en tout cas, Joyce. Oh. Il y a un nuage gris là, qui n'est pas au bout qui arrive. Je ne sais pas quand ça termine. Et en plus, j'y annonce une deuxième tempête samedi. Là, je crois que je rentre mes poubelles dans la maison. Alors, ensuite, elle m'a fait. Hop, tout le monde dans le thème. Comment on appelle ça? Des. Attends. Des cartes timbres. Hop. Donc elle a mis dans une petite pochette avec le washi. Waouh, ça va tomber un truc là, je vous raconte pas. Ils sont dehors à faire des photos, non mais n'importe quoi. Donc sur le thème de l'automne, comme la carte. Oui, il y aura juste qu'à découper au petit ciseau tout doucement. Et j'aurai les timbres. C'est trop génial. Franchement, faudrait que tu me dises, Joyce, avec quoi ça fait ça? Donc, elle a fait des tamponnages. Je vois pas non plus. Écureuil, non, renard. Des glands, des champignons. Un hérisson. Des pattes de renard et automne. Trop sympa. Merci, Joyce. Et ensuite, on a les attestantes sur le thème Halloween. Wow. Alors là, c'est trop d'eau d'un coup. Wow. Je voulais aller ramasser mes poubelles, mais je crois qu'elles vont rester par terre. Alors, ensuite. Hop. Donc, elle a mis pareil dans une pochette avec hop, le voici sur les mois d'octobre que je vais récupérer. Et elle m'a fait donc. Alors, attendez. Alors, je cherche la une. Une. Voilà. Donc la une, c'est Happy Halloween. Regardez. J'aime beaucoup ce qu'elle a fait. Un peu moins la petite araignée. Bon, elle est dessus. Donc elle a fait des découpes. Le teint. Alors, attends. Ah oui, d'accord. Attendez, je réfléchis comment elle a fait. Parce qu'il n'y a pas de papier. Alors, je suis curieuse de savoir comment elle a fait. Oui, il y a la distance. Et là, c'est au début, je croyais qu'il y en avait un deuxième collé. On voit les dents. Sauf que c'est un papier. Tout ça, c'est en même temps. Donc, ah oui, elle a fait au crayon. Elle n'avait pas, à mon avis, les ciseaux compteurs. Donc, elle a fait au crayon. Et là, par contre, cette partie-là, c'est un autre papy. Trop sympa. Cooper, tu fais quoi, là? Cooper, il existe depuis qu'on est lui. Alors, la 2, c'est tamponnage. Et on a une découpe. Pardon, je vous dis, j'ai fait attraper froid chez moi.
tant que ça se réchauffe, les gens ils sont fous dans la bagnole. Moi je bouge pas. Alors, on a celui-ci avec l'obturation pareille sur l'autre. Et le numéro 3, on a une chauve-souris. La toile d'araignée. Non, je vous ai montré, c'est la 3, ça c'est la 2. Donc, franchement, super idée ça. J'aurais pas pensé faire ça. Quand vous n'avez pas de compteur, bah, on s'adapte. En tout cas, bravo à toi, Joy. Alors, attendez, je la remets dans l'ordre. Et 3. Merci à toi, Joyce. Et elle m'a fait la même chose avec des timbres. J'ai encore oublié le nom. Hop, comme elle a fait pour l'automne. Donc, ceux-là, ils vont aller dans la boîte Halloween. Happy Halloween. Trop bien. Faudrait que tu me dis, Joyce, comment t'as fait. Si c'est un die ou pas. Donc, on a un chat, une araignée, chauve-souris, champignon, Happy Halloween, et en haut, je sais pas trop ce que c'est. En tout cas, c'est trop sympa. C'est un, en fait, et elle a fait le truc au milieu. Ah, voilà, regarde, la citrouille. C'est trop bien avec le washi et le gant. En tout cas, bravo à toi, Joy. Trop sympa. Et la semaine prochaine, je t'envoie les miens. Ils sont faits, j'ai plus qu'à les poster. Là, avec le temps qu'il fait, je vais pas m'en aller à la poste. Je sors pas de chez moi. Et là, j'aurais trop peur de conduire avec le vent qui souffle. Je vais me casser la vinette. Donc voilà, c'était l'envoi de Joyce pour l'échange à décembre, à Halloween. Je vous souhaite une bonne journée et je vous prépare la vidéo pour le. Bah, je vous la fais après. Pour le défi d'Halloween, pour le tirage au sort et vous montrer le lot. Et je vous annoncerai après, dans une autre vidéo, le défi du mois de novembre, qui est le mois de mon anniversaire. Voilà, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Et faites gaffe à vous, surtout sortez pas, sauf si c'est obligé. Voilà, passez une bonne journée. Et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.